Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, vous allez me connaître. Non, je suis une maman d'une petite qui a un an, un petit peu plus d'un an. Donc voilà, donc je trouvais ça sympa de faire une petite vidéo sur les choses que tu dis et que tu répètes à ton bébé, du moins de ses un an jusqu'à ses un an passé. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Bref, on sans plus attendre, on commence cette vidéo tout de suite. Non, pas à la bouche. Non, pas à la bouche. Suivi de son prénom, hein. Non, pas à la bouche, bébé tchouk tchouk. Non, pas à la bouche, Bernard, Henriette, tout ce que tu veux. Le non, pas à la bouche. Alors, je pense que c'est le mot que j'ai le plus employé depuis ces un an. C'est le non, pas à la bouche. Et c'est pas le non, pas à la bouche, c'est le non, pas à la bouche, ça. Voilà, le non pas à la bouche, je vous informe tout de suite, enregistrez-vous sur un dictaphone et comme ça vous n'aurez pas à le répéter en fait. Pas à la bouche, non 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 pas à la bouche. Autre petite expression que j'emploie très souvent, c'est le doucement, on fait doucement avec ça. Toujours avec ce petit ton mélodieux qui passe. Voilà, alors quand elle s'approche du chat par exemple, ou quand elle va toucher un truc un peu fragile, moi ma petite, j'ai tendance à lui faire tout toucher. Limite, vous allez me dire, ah mais t'es horrible, même un couteau. Si elle veut toucher le couteau ou les ciseaux, je vais lui faire touche, ok. Par contre, c'est pas de ton âge, naninanin, tu peux toucher. Par contre, tu fais doucement. Et après, par exemple, un couteau, je vais lui montrer que ça coupe, en fait. Je vais lui montrer, si elle veut toucher un briquet, je vais lui montrer que le briquet, ça fonctionne et c'est chaud. C'est-à-dire, tu vois, c'est chaud. Et après, chacun sa technique. Mais moi, par exemple, le poêle que j'ai au milieu de mon salon, avant qu'on mette la barrière, et on n'a pas mis la barrière parce qu'elle y allait, on a mis la barrière pour sécuriser quand même, mais quand elle s'approchait du poêle à... je dirais 80 cm, elle s'arrêtait, elle faisait pour me dire le feu, et elle faisait non, elle s'arrêtait, elle s'est jamais approchée du poil, qu'il soit chaud ou pas en fait. Donc voilà, donc comme quoi la méthode fonctionne, après je vous dis pas que ça fonctionnera avec tous les gamins, mais dans tous les cas, voilà, je la laisse toucher à tout, et quand elle touche à quelque chose de sensible, alors soit je lui dis non, pas à la bouche, soit je lui fais, tu touches, mais tu fais doucement. Donc tout ça pour dire que le non, doucement, c'est une phrase que j'ai souvent répétée. Autre petit mot, autre petite phrase que je répète souvent, c'est « Allez bébé, on mange !» Allez bébé, on mange !Allez bébé, on mange là !Allez, allez bébé, on mange là !On mange !Après on va aller voir la nounou !Allez bébé, on mange !» Voilà. Alors, il y a le « non, pas la bouche », mais il y a aussi le « non, on ne touche pas à ça !» Non, on ne touche pas à ça. Non, bébé on ne touche pas à ça. Ça va être les télécommandes, les objets dangereux, tout ça, voilà. Pour lui dire non, on ne touche pas. On ne touche pas. Alors vous allez me dire, ah mais si tu as déjà fait toucher ton briquet, oui, ma gamine, je lui apprends à tout toucher, mais quand je lui dis non, c'est non. Des fois, je lui ai déjà prêté la télécommande, quand je lui dis non, tu touches plus à tes commandes, c'est fini. Donc je fais une fois, deux fois, mais je craque jamais. Alors pour le moment, je ne craque jamais. On verra avec le deuxième, parce que je suis enceinte d'un deuxième, mais je ne craque pas. Quand je lui dis non, elle peut le toucher. 10 fois, 5 fois, nanana, je fais non, tu ne touches pas, je ne craquerai pas. J'espère que je vais rester dans cette condition-là. Autre petite phrase que vous allez répéter, après ça dépend à moi, à mon bébé, je lui ai toujours parlé depuis qu'il est sorti. Bébé, bonjour, bienvenue, je te présente, voilà papa, maman, bonjour, j'espère que tout va bien. Donc moi je vais toujours parler à mon bébé, donc le mot que vous allez dire souvent si vous lui parlez comme moi, c'est « Allez, on va changer la couche !»« Allez, on va changer la couche !» Alors souvent c'est « Allez, on va changer la couche !» Après on va faire ça, après on va faire ça, on va faire ça. Mais le « Allez, on va changer la couche !» ou « On va changer la couche !»« On y va, on va changer la couche !» Genre, mais oui, on va changer la couche, j'ai trop envie qu'il me change. Donc voilà, le allez, on va changer la couche, ou le on va changer la couche. Pff, je le dis souvent aussi. Bon, après, dans les variantes, t'as aussi allez, on va manger, dans 5 minutes, on va manger, voilà, les petits trucs récurrents comme ça. Le on va manger, mais surtout le on va changer la couche. Ça, je le dis souvent, parce qu'en fait, c'est pour me donner du courage avant de monter l'escalier. Allez, on va changer la couche. Alors, truc que je dis, mais pas vraiment trop souvent, mais quand même, c'est elle est où maman? Il est où papa? Il est où maman? Elle est où papa? Ou alors c'est le maman, papa, mais j'ai plus tendance à dire papa. Parce que quand je vais la chercher et qu'il y a papa qui est à la maison, j'aimerais tellement qu'elle arrive et qu'elle dise papa. J'aimerais trop en fait, plus que maman, parce que maman je sais qu'elle le dira. Mais le papa, donc des fois je fais papa, papa. Donc elle fait maman, non, papa. Mais voilà, c'est il est où maman? Maman,
Je lui dis, après, je lui dis mon prénom, je fais c'est maman, je lui dis mon prénom, et papa, je sais pas, et c'est papa, et je lui dis le prénom. Mais le elle est où, ça, c'est pas maman, c'est pas papa, c'est plus elle est où maman, il est où papa. Et après, je lui dis son prénom à elle, donc moi je lui dis maman, je lui dis mon prénom, après c'est papa, je lui dis le prénom de papa, et après je le touche le bébé, et je dis ça c'est bébé, c'est, et je lui dis son prénom à elle. Voilà, maman, papa, voilà, vous avez compris. Hein. Alors le sucre, je m'attendais pas, je crois que c'était une légende urbaine, mais en fait non. Mais en fait non. Et c'est le démonstration. Coucou, il est où le bébé? Coucou, il est où le bébé? Mais en fait, c'est pas vraiment moi qui le fais, c'est elle. Et je sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais fait... Enfin, si c'est sûr qu'elle a dû nous voir le faire, mais pas souvent, parce que je déteste ce truc débile de « il est où le bébé ?» J'ai horreur de ça. Mais elle, elle le fait en fait. Ça a commencé quoi? Elle changeait, parce que quand je la changeais, je la mettais comme ça. Et vous allez me dire que je suis horrible. Je m'amusais en fait à lui... Je suis pas horrible non plus, mais je m'amusais en fait à lui mettre son pyjama comme ça sur la tête. Et du coup, elle faisait ça. Et après, quand elle l'enlevait, en fait, c'était pour lui apprendre en fait à enlever les choses pour pas qu'elle soit galérienne. Et en fait, donc elle avait ça. Et quand elle l'enlevait, je faisais coucou. Et donc du coup, au fur et à mesure, elle se cachait. Et elle revenait comme ça, et elle se cachait. Et donc du coup, c'est plus elle, quand elle a un truc sur le visage et qu'elle l'enlève, je fais coucou. Et après, elle va se cacher comme ça. Je fais, il est où le bébé? Il est où? Et elle va le cacher, et elle va vous avez compris, elle va se remettre. Donc ça, c'est vrai que je pensais pas que j'allais faire des, il est où le bébé? Il est où? Mais en fait, si... Mais c'est rigolo, franchement c'est rigolo. T'as ta petite puce comme ça qui se cache. C'est marrant. Des fois, elle se cache comme ça. Non, elle est pas très douée. Hein. Elle se cache comme ça. Je fais non mais bébé, je te vois. Non, elle est pas très douée, elle est comme sa mère. Et le dernier petit truc que j'ai noté, c'est le viens ici. Viens ici. Après j'ai son prénom, mais c'est bébé, viens ici. Non, viens ici. Vous voyez la fermeté. Parce que des fois elle va se balader, elle a tendance, ma petite, c'est bizarre, mais à marcher à quatre pattes, et dès qu'elle voit un petit truc, elle le mange. Comme sa mère en fait. Mais les petits trucs, vu qu'on se chauffe au bois, ça va être des petites particules de bois ou des petites poussières, des machins. Donc vu qu'il y en a principalement sur les deux paillassons, quand elle marche, elle commence à partir sur le paillasson, je fais non, viens. Rodolphe, hein Rodolphe? Non, c'est... Je l'ai refait. Mais je dis son prénom et je dis viens ici. Avec un petit ton autoritaire, et elle arrive, c'est ça qui est ouf, c'est qu'elle vient. Pour le moment. Donc voilà, mes petits blablabla. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, après c'est vraiment des trucs que j'utilise moi. Après vous allez trouver, enfin cette vidéo n'a pas pour but de vous dire quoi dire à votre bébé, mesdames. Elle a plutôt humoristique, que vous trouvez ça un petit peu marrant. Et puis ça a des petites expressions que je note au fur et à mesure, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, voilà, par rapport à ça. Donc après, ce qui va être rigolo, c'est que vous, laissez-moi un commentaire pour me dire quelles expressions vous utilisez le plus souvent avec vos marmots de moins d'un an, et qu'on compare un petit peu ça, ça me ferait marrer, voilà, tout simplement. Donc dans tous les cas, j'espère que les gens, parce qu'on sait jamais, il y a des gens qui peuvent voir le mal partout, mais dans tous les cas, cette vidéo n'a pas pour but de vous dire quoi faire et qu'est-ce qu'il faut faire, nanana. Et vous n'êtes pas là pour me juger sur l'éducation de ma petite, parce que vous ne me connaissez pas, vous la connaissez pas, donc voilà, on n'est pas là pour juger. C'est pas en une vidéo de 9 minutes que tu vas pouvoir connaître mon éducation de ma petite. Et dans tous les cas, voilà, donc voilà. Donc pour tous les autres, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme je vous le dis, si vous avez des petites anecdotes, ce genre de choses. Et à voir d'autres de mes vidéos si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse pas, et bah tant pis, on n'est pas là. On est sur YouTube, on n'est pas dans la télé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc voilà, donc je vous souhaite une très très bonne continuation. Faites attention à vous, les cheveux en pétard. Faites attention à vos proches, je vous souhaite énormément plein de bonnes choses. Faites attention à vous et protégez-vous, protégez ceux que vous aimez. Et puis voilà quoi, on se retrouvera bientôt dans d'autres vidéos, parce que comme je vous l'ai dit, la petite elle a qu'un an et j'en attends un deuxième, je suis même pas à 4 mois de grossesse. Donc du coup il y aura plein d'autres vidéos sur ma vie de maman et ma vie de future maman. Donc c'est sûr que les choses que je vous dis là, peut-être que ça marchera pas pour le deuxième, et peut-être que je serai tellement au bout de ma vie que ça n'aura aucun impact sur la première ou sur le deuxième. Dans tous les cas, assez de blabla. Moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très très bonne continuation et à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you.
I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We can be true, we can be true.